نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيسير الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تروى الله سبحانه وتعالى celui qui possède faveur et possède permission de bien assister à elle parmi ma place qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus content de vous s'adapter là afin qu'il m'apprenne concernant nos dînes. Et nos thèmes pour ce soir, c'est concernant la soumission. La soumission, en vérité, frères et sœurs croyants, Allah subhanahu wa ta'ala les fit créer, les fit envoyer au salat et à la et les fit envoyer par lui et pour nous c'est le Coran, et les fit envoyer par le prophète et pour nous c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa ta'ala peut faire sur tout sa famille à nous dans sa limone là. En vérité, c'est pour nous soumettre et nous prouve à Allah subhanahu wa ta'ala qui mène pour esclaves pour lui. L'objectif de création, l'objectif de présence dans sa limone-là, c'est pour nous soumettre à Allah Rabbul Alameen. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran concernant la création de l'âme prédite. لجاب ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لجاب ما في الكريتين الإنسان إكسبت مبنى فيه عبادة إكسبت مبنى في النوم وإسلام إلواتا إسلام. والله سبحانه وتعالى إذا قرآن الله سبحانه وتعالى في أمبي اليوم كم سبحان إسلام يالي عز وجل كم يدرس أبنه دا قرآن إكما يبقى الفاسوك كيف يدرس أبنه c'est Yabelu, l'innomme-nous comme Souban Islam. Et nous trouvons une signification à un esclave. En tant qu'un esclave, en vérité, nous supposons soumettre à nos maîtres. Et nos maîtres qui sont dans ce monde-là, Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça l'objectif. Nos créations, l'objectif, nos présences dans ce monde-là. Et Allah Subhanahu wa ta'ala, quand il appelle nous comme Souban Islam, alors par ça nous comprenons que pour nous vivre un vrai esclave, pour Allah subhanahu wa ta'ala nous disait vivre, elle qui nous soumet à tout par la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dans le Coran, il dit qu'il y a ibadi. Il dit au prophète, dire à Souban Islam, qu'il y a ibadi à l'alina asraf. على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أو بوفيت جابوا بالإسلام نقوم زالي زسفيري جابوا بالإسلام كيفين إجازيري كوسينا زبين ربو بالإسلام كيفين إجازيري دار ديزو بيليا مانا ديزو بيليا الله سبحانه وتعالى كيفين ديباسمي لا تقنطوا من رحمة
là, Dieu m'a donné la femme, j'ai désespéré avec pitié. Il n'a pas à y faire un don au Bajamia. Certainement, Allah lui parle tout mal puissé. Il n'a pas à faire un rahim. Certainement, Allah lui a faire et celui qui pardonne, lui a rahim et celui qui est là, pitié. Ça, c'est le Quran. Allah subhanahu wa ta'ala, comme souvent l'islam. Alors, l'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, les gens ont dans le Quran. Ils ont dit, Ribadi, Ami, Allah Rafour Rahim. Allah dit, il donne l'eau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, invoque-moi l'islam, invoque-moi l'islam, Ami, Allah Rafour Rahim, qui voit, moi, Allah Rafour, celui qui peut donner à Rahim, celui qui n'a pas dit. وأن عذابي هو العذاب الأليم إكيمو بنيشو سيدان بنيشو في بيان دونو يا الله سبحانه وتعالى لفين هنفهمك لفين كريو ونفين داسو عبادة لفين أبيلو كم سبع الإسلام يا الله سبحانه وتعالى دا القرآن لفين دونو لور كنو سومي آل لفين دونو لور كنو سومي Allez, tout ça là peut montrer nous l'importance, la soumission de la vie à l'issue. Allez, le fin qu'elle est là, nous pouvons être choix à faire là. Et l'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, quand nous exécutons ça là, c'est nous qui profitons. Et si nous ne pas suivre l'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous, mais là, nous qui nous pouvons assigner par conséquence de la dunya et de l'âge. Alors, il n'y a pas l'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné dans le Coran, c'est pour nous soumettre à Allah. Allah Azza wa Jalla dit « Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu » Allah dit « Retour vers votre Rab et soumettre à Allah. » Retour vers votre Rab et soumettre à Allah. « Min qabli an yaktiyakum »« Min qabli an yaktiyakum al-adab »« Thumma la tunsaru » Allah dit « Retour vers votre Rab et soumettre à Allah. » Avant qui finissons à Kamsun, ensuite, pas pour une personne, seulement pour une enquête, c'est bon. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala peut nous donner, qu'il donne l'avantage pour nous soumettre à ce mal la loi. Si nous ne pas soumettre, tout va arriver, par exemple, au Sahih al-Quran, Allah dit, il n'y a pas de l'amour à l'adab. Par ça, nous comprenons Allah quand il peut dire, mais tout le monde peut se soumettre à lui, avant qu'il finisse à Kamsun, Comment va le faire à Zé Kiraïman? Celui qui va soumettre à Allah, celui qui va soumettre à Allah ou à Allah, celui qui expose et même à bénition Allah. Et elle bénition qui peut la personne qui est capable, vient si pour nous, vient aider nous, contre bénition Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça conseille là, la soumission. Qu'est-ce que conseil Eh bien, mais il y a des gens qui veulent vivre dans ça, la terre. Ce conseil, eh bien, le prophète a ce bon enfant. Ce conseil, eh bien, le prophète a ce bon enfant. Et ça, c'est une leçon pour nous en tant que parents. Et chaque maman, chaque papa, parmi mal, grand conseil, qu'il est bien choisir pour les deux de enfants, c'est qu'il dit, C'est tous les temps nous avons conseillé nous-mêmes, nous conseillons nos mâles madames, nous conseillons nos mâles enfants et nous conseillons les musulmans soumettre à la loi. N'a pas faire négligence. Rapport la loi à nous. Aussi longtemps qu'il nous l'a dit, nous avons gagné l'occasion pour nous soumettre à la loi. Et c'est ici qu'Allah fait demander pour nous soumettre. Une fois qu'il a rompu sur nous, nous ne pouvons plus avoir soumettre. Mais nous pouvons demander avec Allah, pas pour la vie. Parce que même, nous pouvons avoir un courage pour battre qu'il a rompu sur nous. Nous pouvons demander avec Allah, subhanahu wa ta'ala, mais nous pouvons demander Allah pour être un seul dans sa dunya. Qui fait la'alli a'malu salihan fima ta'ala. J'ai dit, Allah, les deux nous délire avec qui nous fait mal ou action dans ce qui nous fait quitter. Et là, nous disposons pour dépenser tout ce qui est là. Allah, retourne et dépense tout ce qui est là. Seulement,
Tout ça, la vérité, ça n'est pas pour profiter tous les jours, dit, réellement, et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Alamin fait un collègue dans le Coran. Sa soura, la dernière fois qu'il a beau fait nous jeûne Allah, on retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala malgré, sauf réellement de vous disposer pour des dépenses, grandir les cieux, grandir la terre, en l'eau, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauve nous comme punition, pas pour y avoir aucun profit. La soumission, soumettre à Allah, soumettre à la loi Allah, c'est ici dans sa douleur. Ça, c'est qu'on tient, c'est qu'on sait que nous sommes de nous-mêmes, de nous-mêmes madame, de nous-mêmes enfants. Quand on peut dire la soumission, c'est nous soumettre à la loi Allah. C'est toute la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir pour nous. Dans le Coran, on met à travers sur la sourate de Al-Salawat alayhi wa sallam, nous en tant que musulmans, qui nous devons envers sa balance, soumettre à tout balancement qu'il y a dans le Coran et tout balancement qu'il y a dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous met à travers pour nous choisir. Nous met à travers pour nous choisir. Avant qu'il nous vienne au lal, si il y a un Coran pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire le connu qui conseille au sommet ses conseils des mal prophètes. Allah a sorti à le dire. La sourate Al-Baqarah, verset 132, Allah dit à Rasulullah Ibrahim, Mubarak et Yaqub. Il dit à Ibrahim alayhi salam et Yaqub alayhi salam, fait de ça comme conseil à Zuban Gaz, Zuban Zaf, qui conseille Yabaniya. Oh Zuban Gaz. Yaqub et Ibrahim alayhi salam dit qu'on a un grand prophète. Yabaniya inna Allah asmafa lakum undi. Oh, mes enfants, certainement Allah vous choisir, sa ligne à vous seul. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Alors, on n'a pas besoin de mots excepté dans l'état des soumissions. On n'a pas besoin de mots excepté dans l'état des soumissions. Rappelons, oh, mes enfants, qui se fait un devoir, qui se fait ses mots, qui quand la mort est un seul, sont dans l'état de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qu'on sait qu'Allah pour l'Arabie qui donne nous encore dans le Coran quand il dit « Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih » « Oh ben, qu'il a iman qu'il y a un vrai taqwa pour Allah »« Wa la tamutunna illa wa antum muslimun » Il n'a pas besoin de mots. Il n'a pas de mots l'autre là. Allah dit « Il n'a pas besoin de mots excepté dans l'état de soumission à Allah » En donnant qui l'aude à Allah subhanahu wa ta'ala et de nous là. Allah veut dire, il n'a pas mis un mot, ô toi qui n'as l'iman, n'a pas mis un mot excepté dans l'état des soumissions. Pose-vous même question, ma frère, parce que c'est quelqu'un qui parmi nous connaît quand les mots, bien sûr pas. Et Allah veut dire, l'aude qui dit, n'a pas mis un mot excepté dans l'état des soumissions. Mais d'accord, faire une démarche, moment qu'il a mort et qu'il soit le droit, tout dans l'état qu'Allah subhanahu wa ta'ala satisfait. Et tout dans l'état de l'obéissance à Allah. Et non plus dans l'état de désobéissance quand Allah en colère. Et bien sûr, nous parmi nous, pas connaître le mot. Qui fait Allah que nous nous salons là. Et nous ne pas connaître le mot. Envers les mal frères et mal sœurs, par ça, nous comprenons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus haut de nous. La salaire pour Allah. Pour nous vivre dans une soumission, quand est-ce que c'est d'avancé? Non, 24 pour 24. Parce qu'il a un mot. Il a besoin de nous d'avancer, comme il a besoin de nous dans le travail, comme il a besoin de nous dans la case, comme il a besoin de nous quand il y a un mariage sur nous, comme il a besoin de nous quand nous n'avons n'importe qui place. Alors, les musulmans, basant nous à la Coran, un souci qui est bizarrement, n'importe quoi de ça y aller, qui traque à nous avec nous. Si la robe est seulement dans sa place pour qu'on vienne là, est-ce qui Allah nous satisfait avec nous? Est-ce qui vraiment au monde est l'état des solutions à Allah ou bien? Dans la même question, les musulmans, ils ne vous pas compte.
Et pour prendre dans le place hôpital, pour la sourde là, sallallahu alayhi wa sallam, le conseil était « Ibn Abdillah, haïf ou ma akoul » Il dit « Quelle affaire, il y a l'air d'un monde pour que ça tue ?» C'est pas ces damasites qui nous musulmanent. Damasites nous musulmanent, on dit aux masites aussi nous musulmanent. Dans nos travails aussi nous musulmanent. Dans nos lacas aussi nous assiettes avec nous musulmanent. Nous pouvons avancer au chemin, nous assiettes avec nous musulmanent. Nous n'avons pas un mariage, nous sommes musulmans. Nous n'avons pas un mariage, nous sommes musulmans. N'importe quoi de ça, quelle soit la situation, parce que l'on est difficile, malheur ou bien bonheur, nous sommes musulmans. Et par exemple, nous devons revenir. Quelle est cette situation qui nous fait face en tant qu'un musulman, nous sommes connus qui nous fait. Quand on est même, par exemple, on peut faire un mariage, nos enfants. L'islam, il ne permet pas qu'on fasse un mariage, pour un grand vie. Est-ce qu'il a un rapport avec les enfants pendant qu'on peut faire un voyage aux enfants? Si, pendant ce moment-là, toi, tu prends contre la loi là, le voyage pour toi, dans la cité, dans la piscine, toutes les choses qui sont haram, moi, je prends contre. Comme si la loi va pour finir seulement quand il y a un voyage. Est-ce qu'il est possible? Pour le Subhanahu wa Ta'ala, le signe fait terrible la loi, sauf qu'il y a un voyage pour nous, nous avons. De la même façon qu'il y a un maillet, il y a un maillet de Moulakar, vous savez, c'est pour faire un maillet d'Amérique. Et après, sur la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a qu'il soit au Mongolien, au Malé, je m'en prends pour la loi. C'est ça qui, Allah subhanahu wa ta'ala, le bureau de lui, on prend pour ce qu'on a la loi, n'importe quoi, ça veut dire, n'importe quoi. Voilà, ta moutoune, n'a il a un peu possible. Vous savez, des ayats, Allah subhanahu wa ta'ala au commencement qui disait « Jaya ayyuhallafina amanu » Il disait « Oh man kina imam, ittaqullaha haqqa tuqadu kevri taqwa » Et là qu'il dit l'autre « Wala tamutunna illa wa antum muslimun » N'a pas besoin d'avoir accepté dans l'état de soumission à Allah. Comment nous pouvons dans l'état de soumission à Allah? Faut dire que l'état. Il faut dire que tout l'état, tout le monde a dit, c'est le peuple à vous qui dit La loi Allah subhanahu wa ta'ala. Et la loi Allah, comme nous le disons, mon frère, ce n'est pas jusqu'à nous venir. C'est ça qui nous musulmans nous appelons. Et nos jours, nous faisons comme si ça dit là, c'est un livre qui nous enseigne aussi ce qu'on fait la masse. Quand nous avons dit, quand nous avons dit, tiens, ça calme, avec un fiachage, je ne peux pas être ce qui est la loi Allah, non? L'islam, Nous disons que c'est un livre complet. L'islam, c'est un mot de Dieu. Il y a tout l'islam en enseigne. Tout ce qu'il appelle tout, l'islam en enseigne. Il y a 24 ou 24 ans. Musulmans et musulmans. C'est le pays qui fait un mot pour l'école. La loi Allah, et nous nous soumettons à sa valeur. En tant que, par exemple, un papa, l'islam en enseigne moi qui nous a fait. En tant qu'un maman, l'islam en enseigne moi qui nous a fait. Si moi, mais mon rôle, comme un papa, Mais papa musulman, là vous n'avez pas compris ça. Si mon père met mon rôle pour ma vie, mais la PC avec, si la mort vit seulement, mon père assume sa responsabilité. Là mon père est bon dans l'état d'exécution à Allah, qu'il est en tant que maman, en tant que papa, de la même façon en tant qu'un enfant dans la case. Mon père est Allah, mon père est assis bien envers mon parent, mon père est de façon qu'Allah, en premier, satisfait avec moi. Ensuite, mes parents les satisfaits avec moi, c'est mon parent. Si la mort vient seulement dans le moment qui m'ont collé avec mon maman, mon papa, finalement, tu peux arriver à la même m'ont collé avec. Ça, c'est une chose qui est musulmane, les gens racontent. En tant qu'un époux dans la case, c'est par contre, est-ce qu'il y a un époux musulman? Est-ce qu'il permet de voir l'épouse à un musulman? Vous savez, le travail, les savent dans le cerveau, il y a un mandat dans nous. On ne peut pas trahir personne, on n'a pas aucun personne. Il y a autour de certains zéros, l'universal paramètre, c'est pas de la business. Comme c'est l'islam, pas d'enseigner comment faire business. Ça veut dire d'enseigner comment faire business. Pour nous prendre compte halal, haram, pour nous n'a pas trahi à personne, pour nous n'a pas embêté personne, pour nous n'a pas cause mentir avec personne. Et nous sommes combien? Musulmans, on peut faire business, mais seulement dans son business, il ne peut pas me soumettre à lui. Dans ma cible, dans la business, non.
Il peut prendre pied sur l'origine, il ne peut pas, il peut prendre pied sur l'imitation, il ne peut pas sur l'origine. Il peut faire l'imitation, mais l'origine. Il peut se faire coquer le balance, il peut coquer le mesure, et tout ça, il s'en va pour aller, ça sent ok, ça sent ok. Et si vous avez besoin de ce que vous avez, vous mettez là. Il y a son arcade, sous mes talles là. C'est possible sous mes talles là. Même une alarme, il est sous mes talles là, il ne peut pas mettre vers ce qu'il y a, vers ce qu'il y a. Donc, ma frère, ça c'est le conseil, c'est l'islam, c'est un bon guéri. L'islam va l'enseigner pour nous soumettre, c'est un massif. Merci d'avoir besoin, merci de vous rendre ici. C'est un moment, non, mais nous musulmans, tout le monde là. Et faudrait pas nous trier. Et nous choisir pour nous mettre en pratique la loi. Un vrai islam qui soumet à Allah, c'est un islam qui me soumet à tout mal la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir. Mais beaucoup de musulmans de nos jours, les contenteries, mais tout la loi, il les trouve dans son côté, les médias en pratique. Et tout l'allemand, on va dire, il peut trouver les difficiles, il n'est pas dans son côté, il reste libre. Et c'est du plus grave quand certains musulmans, les pas peuvent mettre certaines lois en pratique, qui les faire, les blâment l'allemand. Les blâment l'allemand. Et ça, Pénal, c'est un grand héritier qui est capable avec capable un musulman vert. Pouf! Tiens, allez, on est au islam, on capte la loi là. Et premièrement, premier conseil, ma frère, soit gérant ou pas gérant, soit ça. Qui vous êtes au Ousmane? Est-ce que vous êtes à nous, loi là? Est-ce que vous êtes à nous, dans les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans la loi qui est choisie pour qui mène à l'avantage pour la loi? Tout la loi qu'elle est choisie, il a l'avantage. Il a un hadith qui connaît. Et que beaucoup de monde, c'est ce hadith-là. Inna Allah a jamais le muhibbu al-jamal. Certainement, Allah est joli et content là où. Hadith qu'on t'a reçu là, il a connu. Ce hadith-là. Certainement, Allah est joli et content là où. Si vraiment nous comprenons ça à l'île, qui nous comprend, ma frère? Toute la loi qui Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous, c'est la loi qui est. C'est pas une la loi. C'est la loi qui remplit avec votre parce qu'elle a même dit jolie, il n'a pas compté et il n'a pas compté accepter ce qui jolie. Comment est-ce capable de blâmer la loi qui Allah est ouvrible? Et Allah va choisir accepter ce qui est bon. Ça c'est vrai que beaucoup de musulmans viennent. Donc, on pense à bien malgré chaque la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous, c'est mal la loi qui remplit avec beauté. Mais il y a quelle la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous qui, quand nous mettons en pratique, nous sentons humiliés. Pas ici. Allah analyse toute la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi dans le Coran et dans la loi. Et toute la loi qui est condamnée. Toute action que Allah fait condamner, toute pas d'action qui m'annonce. Allah est dans nous, il nous donne nous pour croire qu'il est tout seul mérite à nous. Et dans le lien pour la loi, dans le lien pour la loi, il nous donne nous qu'à offrir ça, ça veut dire, par un simple président ou l'école a composé en bas, comme une forme d'humiliation. Pour poser, pour faire réagir la crise. Pourquoi poser pour une réaction par exemple? Pourtant, vous pouvez faire des religions qui enseignent des mots pour humilier ceux qui vont faire la même réaction par exemple. Nous, la loi qu'elle a sur la matière de choisir pour nous, c'est de postérer les banques sans là, de postérer les banques. Pour faire la sur la matière la crise. Vous savez, dans quand on fait la manche, on se humilie. Combien quand vous sortez la masse, vraiment pour parler important sa masse, c'est ok, tranquillité quand vous faites la masse. C'est la loi qui, de nous donner ce qu'avait
Il est là mal carré, qu'il témoigne certaines discours, finalement, c'est accepté, il a accepté ça. Parce que c'est elle, ibadah organisée, disciplinée, qui vraiment, on peut invoquer le Créateur, on peut supplier Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah n'a pas donné. Par contre, certaines font des ibadah, des malaises, qui n'ont aucun crime, ou ça, on dit qu'il n'y a pas de sens. Il y a des choses qui n'ont pas de sens. Et de nos jours, c'est qui s'arrivent là. Le vrai marché qui est dans certaines musulmans, mais bien certaines pratiques, et je viens de dire ça avec l'islam, puis l'islam, puis n'a rien fait avec ça. Il est là qui beaucoup de monde dit les mal ou pas l'islam. Par exemple, ce qui est là en ce moment, pour ça, la relation avec l'islam, l'islam, ce qui n'en sait pas pour aller au fond, savez. L'islam qui enseigne pour nous faire nous-mêmes du tout, ça c'est pas l'islam ça. Savez les prophètes qui enseignent aussi. Un dimon parti-même, pas droit de perdre sur l'esprit. Un dimon compliqué, est-ce que l'islam qui enseigne ça, l'islam qui enseigne ça. L'islam qui enseigne pour préserver nous les mots. L'islam qui enseigne pour donner un respect pour nous les mots. Pas l'enseigne pour nous faire nous-mêmes du tout, ça l'islam qui enseigne ça. Ça c'est pas libre ça. Et comme ça, combien de pratiques? On sait même bien pour autant pour nous rapporter la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisit pour faire la différence entre une pratique authentique, basée sur le Coran et sur les bonnes pratiques. Mais il n'y a rien à faire avec ça parce que ça va dans un autre. Mais il n'y a rien à faire avec l'islam là, ça fait la loi. C'est la loi, si vous allez faire ça, la loi ne peut pas se guérir là. La loi vraiment, nous sentirons des honneurs. Mais pratique qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisit pour mettre l'honneur pour nous. Impossible d'aller sur nous. Allez prendre un exemple en haut. Par exemple, Hajj va faire. Hajj va traverser. Autour de 3 millions, 4 millions de personnes vont faire Hajj. Qui qualité Allah subhanahu wa ta'ala fait mon nom, ça arrive à l'aller sa place. Et c'était une place qui était. Une place qui n'a pas de pousser. Une place qui n'est pas de pousser. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envie mon nom, son passant, il a envie mon nom, son passant. Je vous dis. 3-4 millions de monde peut faire Hajj avec ça. Je ne vais pas en ce moment ça coûte. Ça ne fait pas poser ça. Sa quantité. Et alors, Omra, elle a mérité 1 million par an ferme. 1 million de monde par an ferme. Elle a 5 millions de monde vers Omra et Hajj 3-4 millions. Et un contact, je ne pense pas, augmenter dans la vie après qu'il se termine l'amortissement des années Haram. Allah subhanahu wa ta'ala est la personne qui a fait Hajj sans se dire. C'est un honneur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la loi qu'il a fait choisir pour nous, c'est la loi qui a l'avantage pour l'islam. Et toute action qu'il a fait pour l'aller, c'est une action qui est là, tito pour l'islam. Allah fait pour l'islam. Est-ce qu'il a dit qu'il a bien fait pour nous? Il n'a aucun bien. Allah pour la loi, il a bien fait pour nous, il a bien fait. Et qu'on a la sorcellerie, il a bien fait pour ça dans nos pays. Mensonges, rival, d'animal, tout péché que nous choisissons, vol, viol, tout ça a des avantages pour ça. Et ça, les musulmans, nous en sont si fiers. Par la loi, qui a le souhait de notre âme et de nous sauver, c'est par la loi qui part même, écoute bien, Valfred, qui part même les prophètes, on appelle ça là, par les gens qui choisissent ça. C'est pas la loi que ça a changé ça pour nous, c'est Allah Assam. C'est lui qui crée nous. L'école nous réalise qu'un Christ qui nous connaît nous-mêmes, les choisir par la loi qu'il a bien fait. Et nous siens et siens. Quand on applique la loi à Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie, nous poursuivons bien fait, dans le bien et la vie. Et si nous bien les lois avec la loi à Allah, c'est nous qui poursuivons les conséquences dans le bien et la ferrade, mais dans le temps. Alors qui nous choisir, c'est qu'il y a l'avantage, on ne peut pas choisir ce qu'il y a des avantages. Parce que ça va dans le malin. Je vous dis, tout à fait, ou bien certains musulmans, ils ne sont pas capables, certains de la loi Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont mérité les peines à raison. À cause de ça, mes frères, connaissez-vous en tant qu'un esclave pour Allah, nous faisons mal de l'eau à l'eau. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donner nous au sommet, parce que la loi, nous devons se soumettre à toute la loi. Nous ne pouvons pas faire différence. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Wa ma kana li mu'minin, wa la mu'mina » Il n'y a pas qu'à l'été à l'humain.
المؤمنين ويصير معناه يعني شو عم فينا لا لو عليه رسول ومن يعص الله ورسوله سيدك يسوع يعني يسوع مساج فقد ضل ضلالا مبينا سيد ما يفين توم دليل قام كبير كلير إسواسي أبدا لوالا سكالتين يبان سويف يبان كتير Et son finition, bien bien grave. Son finition, bien bien grave. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans son rapport par la verset 85, il dit, « Afin que nous n'avons pas de l'hôpital, nous n'avons pas de l'hôpital. » Il dit, « Est-ce que tout à même l'image d'un parti libre et se présente dans l'autre parti ?» Il dit, « Est-ce que tu as accepté certaines d'avance ou présente certaines d'avance ?» Ce n'est pas qualité, mais c'est comme ça. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Fama jazahu man yaf'alu dhalika minkum illa khisrun fil hayati dunya. » Il dit, « Conséquence, les mal qui viennent ça parmi eux. » C'est-à-dire, ils trouvent ça pour eux, qu'ils sont pour une façon, les verres, les pas pour ça dans la courée, c'est-à-dire, les pécages identifiés qui ont été en partie, alors les délaissés, les pas acceptés, les gens la loi Allah, et plus grave, ils blâment lui, ils blâment la loi. Allah dit, « Conséquent de sa balle-là, ces balles qui sont poussées les unies là, de nous. »« Voyons le Qiyama qui nous retourne à la chaîne de l'Allah. » Et sur le Qiyama, sur lequel ils sont pris, plus. Sur le Qiyama, sa balle-là, elle a même qui soit agir entre la loi là. Se poussées les unies là, de nous. Et là, après là, ils sont pour vous coupler, plus d'un coup. Car le Subhanahu wa ta'ala, protège-nous. Et il fait ouvrir un esclave qui nous n'accepte tout la loi. Et c'est ça, ça nous devons envers la loi d'Allah. Premièrement, il y a une obligation de nous connaître la loi d'Allah. Et nos jours, beaucoup de gens blâment la loi d'Allah parce qu'ils n'ont pas même connu ça, c'était la loi. Elle est grave ça. Comment est-ce que vous capable d'être esclave pour Allah, on ne connaît même que la loi de l'exhortation. Donc la connaissance est importante. Mais il faut qu'on connaisse la loi de l'exhortation. Après qu'on connaît la loi d'Allah, c'est pour autant sa loi. Pour autant Allah, il choisit sa loi là. Par exemple, pour autant Allah, il fait la rassemblée de sa loi. Il a fait l'écrit là. Il n'est pas fait la rassemblée de sa loi. Il est en 80 ou bien 80. Donc, pour autant qu'Allah, il vient la rassemblée de la loi. Il est là. Ou bien la rassemblée de la loi. Il m'a interrogé. Ça, vous êtes pour autant ça. Il y a encore la loi là, pour autant la loi. Troisième, c'est pour faire des efforts pour mettre la loi là en pratique. Pour faire des efforts pour mettre la loi là en pratique. Parce que si vous collez, vous pouvez aller à ne pas faire rien. Ça, ce n'est pas qualité, mais souvent, vous collez, vous contentez en tant que la loi là, et vous mettez en pratique. Et concernant mettre en pratique, ma frère, c'est vrai. Allah subhanahu wa ta'ala crée-nous avec certaines balles faiblesses. Qui n'ont pas capable de nier ici. Elle dit souvent les versets pour mettre la loi à Allah en pratique. Si nous payons certaines difficultés pour mettre la loi à Allah en pratique, qui veut dire ça? Ça que nous savons. Qui sont signification et qui savent qui nous servent là? Son signification, c'est faiblissement des lois. Pour ça, nous allons garder. L'imam est une faiblesse quelquefois qui est là, certaines dans la loi, tout le monde est en pratique. Après que vous le reconnaissez, c'est un loi Allah vraiment. Et que ça doit blâmer. Si on blâme même, on parle de la loi Allah. On parle de la loi Allah, on parle des prophètes. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni on blâme, c'est lui qui me compare ça. Et ça, il y a rien qui est beaucoup mis sous en fait. On va nous dire, c'est grave. Dans l'essence qui a dit qu'on en avait la parole marine quand on est en dehors l'islam. Nous parlons de ce qu'on est en dehors l'islam, mais ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous saisit sur le diable. Et nous apprenons. Donc, quand on n'est pas capable de mettre la loi en pratique, vous voyez, une faiblesse d'avoir accepté. Mais vous avez, vous n'êtes pas avec Allah. Si vous êtes avec Allah, oh Allah, on a mal. Ça, c'est telle la loi que nous choisissons pour nous. Par exemple, madame, Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir pour lui mettre le bas. Il n'a pas la loi de bas. Il peut gagner une dignité pour lui mettre le bas. Quel est-il? Quel est-il? Ça, la loi, ça,
Ou bien il y a dit, non, ça a péri à l'encourage. Ça a l'air convaincre, pas de poser même pour cette scène. C'est bon, il dit, pour y avoir une manière. Non. Il a accepté de la mener à l'encourage. Il dit, comme autant qu'il y a l'air, choisir ça à l'encourage. Et puis, c'est bon, maintenant, on va dire, si les gars, j'ai dit, tiens, entre temps, il demande pas, on va aller en l'encourage. En tant qu'elle va là, pour que ça ne me dit pas, on va aller pour gagner une sécurité. Oh Allah, enlève sa sécurité là. Oh Allah, aide-moi pour me dit pas. Et donc, les points de Dieu, il y a l'âme, ça va voir, et à travers ça, la main, car il y a un lion, il s'en est. Allah, subhanahu wa ta'ala, va le faire. Et ma soeur, qui est dans l'église, donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, le fait. Mon esclave, qui est vraiment, nous soumet à lui, et celui qui soumet à Allah, subhanahu wa ta'ala, la renouvelle pour lui, comme Allah, subhanahu wa ta'ala, le dit dans son rapport par la verset 112, il dit à Allah, mon esclave, va le faire pour lui, il dit à lui, bien, bien sûr, c'est lui qui soumet ce qui est à Allah, et il soumet complètement à Allah. وهو محسن بفعل المعصو فلا أجره عند ربه ستنوهنا سوري المعصو ألا ولا خوف عليهم بين وقنا في الولي ولا هم يحزنون إن بقوا سبخا فجاني بعد مساقا لبني ممكن اللي بيمو بوسك اللي بكتدى دنيا اللي من وقنا في الولي آخر المسكين كنتين يكينا ما يبون لتعني آخر كلا سبحانه وتعالى قيلهم كلا سبحانه وتعالى فصل ابنهم كلا رب العالمين خلوبين أن بغيستا بولي أن استاف كي نوم في سيقوم بمسومين أن تبال لالو كلا سبحانه وتعالى في نسوازيا بولو سبتي نسوازيا سبتي مخسبتي سيتان ورزت سيتان كلا سبحانه وتعالى في سابيبال لالو كي نرابان نوم بمقبت أمراتي كلا سبحانه وتعالى قيلهم لفصل ابنهم من سالة الوراء سمعت الوراء Allah subhanahu wa ta'ala li prendre la vie dans l'état des soumissoirs, dans l'état qui est satisfait avec nous, mais non plus dans l'état qui est en colère avec nous, dans l'état de nous. Pour nous, nous avons une faiblesse, une négligence qui est dans nous, car l'état de nous, maman, papa, l'état de tout bas, qui n'a rien, l'état de nous, pour tout le monde, grand, mais c'est le monde spécial qui nous fait faire dans la vie, mal blessé qui nous fait faire en public, en cachet, mal blessé qui nous connaît de nous faire, et même mal blessé qui nous pas même, connaît qui nous fait faire. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.